Salut, salut la grande famille, c'est encore Maro Sibé. Je suis, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter le Guigui. Guigui le grueur. Oui. La fois dernière, le jeune bété, mon frère bété, parce que moi, je vous ai dit mon père bété. Mon frère bété qui avait fait une vidéo concernant l'AS ici à Daloa. Et on a vu des gens, des gars, des gens qui sont de l'Ouest, ils sont sortis, ils ont commencé à le clasher. Ils ont commencé à dire non, que oui, pourquoi toi tu dis ça, pourquoi toi tu fais ça. Aujourd'hui encore, il est en train d'interpeller, il est en train de demander pardon, il est en train de s'engenouiller devant Papa Ado. Papa Ado, gagne-moi là, franchement, ça ne va pas. Gagnoua là, ça ne va pas. Babou mec qui vient de Gagnoua, qui vient de Mama, qui vient de Bété, de Guibérou, à Bété, de Tatatan, là-bas là, l'Ouest même. La personne même qui n'a pas pu balayer chez lui à la maison. Est-ce qu'il peut aller balayer chez ses voisins? Non. Babou mec, Mama même là, il n'a pas travaillé à Mama. Gagnoua est foutu. Les gars de Gagnoua, je ne sais pas, ils ont vu quoi si Babou. Mon frère, mes parents, gagne-moi, mes parents de l'Ouest, ne regardez pas pour dire non que c'est notre fils ou c'est notre c'est le fils de nos voisins et qu'on va le suivre bêtement. Non. On dit le développement. Réfléchissez pour ça. Réfléchissez pour ça. Ne restez pas là pour dire non que oui, Babo, il est de l'Ouest, donc on doit le soutenir, quel que soit Alpha. Mon frère, bêtez là. Qui tourne dans ça, où ils sont là, casser sa bouche, il est en bas de quelqu'un, ils sont là, le frapper, puis il dit oui, toi tu me moins pas, quitter dans ça. On doit quitter dans cette posture-là. Vous avez dit, on ne mange pas goudron. Voici aujourd'hui, quand tu arrives même à Gagnoua, à la rentrée de Gagnoua, mais tu sais qu'il est en train de rentrer dans le cimetière. André, quelqu'un qui est en train de rentrer dans le cimetière. Gagnoua même là, il dit, il n'y a même pas route, mais tout est gâté, gâté. Quand il pleut même, c'est la merde. Mais tout ça là. Tu vois des habitants de Gagnoua, des bêtés de Gagnoua qui ont la grande bouche et qui ont grande gueule. Pour dire, non, on ne mange pas goudron, on attaque Babo. Babo était là pendant 10 ans. Est-ce que Babo a fait quelque chose chez vous? Quittez dans cette posture, mes frères et soeurs, mes parents de Gagnoua, quittez dans ça. Et après, je vais interpeller Daloa aussi. Parce que tout ça, là, on doit interpeller là-bas. Où on est là, voici Alassane qui est en train de développer le pays. On doit lui demander pardon et on doit. Parce que si tu n'es pas là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait goudron. Mais je dis, c'est toi qui as fini à faire goudron. C'est pas bouche devant maman, il a pris moi-même ma bouche pour demander pardon à l'État. Je reviens encore aujourd'hui, oui. Beaucoup vont pas aimer, mais c'est pas mon problème. Si mon message arrive là où ça doit arriver, là, c'est l'essentiel. Une fois, j'avais fait une vidéo concernant l'axe ici à Daloa. Qui est dégradable, qui est déplorable, qui fait pitié et qui est niaisegréable. Et je pense que ma voix est en train de porter. Aujourd'hui, quand tu regardes, ça fait mal. Regarde par exemple, avant même de commencer, ça va faire mal, mais je vais dire et puis je m'en fous. Si vous faites de moi ce que vous voulez, quand tu arrives à Gagnoua, Gagnoua fait pitié, Gagnoua fait honte. C'est moi qui dis ça. Devant clinique, il t'a toujours été bafon. Je parle de 2002, je n'ai pas parlé d'aujourd'hui. 2002, devant la clinique, il t'a c'était bafon. C'est gâté, c'est-à-dire la voie elle est gâtée. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Tu rentres à Gagnon, à la rentrée de Gagnon, André, tu as été rentré d'un poulailler. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal quand j'arrive chez moi à Gagnon, André, on n'a pas eu des gens qui ont. Merde, André, on n'a pas eu des cadres dans la région là. Des cadres qui ont dormi sur la route, on n'a pas eu des cadres. Rien, tu as été rentré à Gagnon, tu es à Gagnon, André, poulailler. Je jure que même mon village, il y a les Grigots, est joli que Gagnoua. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Quand tu arrives à Daoukourou, tu sens qu'il y a eu un président qui a été à Daoukourou. Tu sens que dans la région, là, il y a eu quelqu'un qui a été président de la Côte d'Ivoire. Quand tu rentres à Daoukourou, juste là, il y a des grandes écoles là-bas. Oui, tu arrives aujourd'hui à Korogo, là, au nord. Là. Tu sens qu'il y a eu quelqu'un, où il y a quelqu'un actuellement qui est du nord, où il y a eu premier ministre, où il y a eu président. Qui est du nord. Quand tu arrives dans la ville, tu vois. Boulevard pour entrer. À Gagnoua, ça fait pitié. Dès que tu commences par le CAFOP, la voie est gâtée, découpée. Ancien corridor, même, c'est pas la peine. Tu arrives devant Clinique Keita.
Tout, c'est pas, il pleut pas deux jours là, la voie est comme ça, c'est pas, il pleut pas. Sinon, s'il si pleut devant clinique, il c'est bafant, c'est une mado, c'est rempli. On fait quoi? Gagnon, on fait quoi? Toute la voie des gagnants, CIB qui emploie plus de combien de milliers de jeunes qui travaillent aujourd'hui, les jeunes de gagnants, si ce n'est pas drogue, on va pour vivre, on ne peut pas. Aucune entreprise, aucune bonne entreprise à gagnants qui peut employer 100 personnes, 200 personnes, ça n'existe pas. CIB qui est assez tombé depuis. CIB qui emploie beaucoup de jeunes. Au moins les jeunes sont occupés à faire quelque chose à Gagnon. CIB est tombé. Aujourd'hui, ça y est, là, c'est quelques-uns qui travaillent là-bas. Il n'y a pas une politique pour que les jeunes de Gagnon, ça me fait mal pour Gagnon. Ça me fait mal. Aucune route à Gagnon. Tu es en train de défiler même à la gare. Quand il y a la gare, même c'est la merde. Il n'y a pas goudron à Gagnon. Oui, c'est moi qui dis ça. Quand tu arrives à Daoko, tu sais que il y a quelqu'un qui était président qui est passé. Tu arrives aujourd'hui à Korogo, prends tout le nom. À Korogo, dans tous les petits coins, il y a goudron. C'est tout, il dit ça encore quand je parle, on dit pourquoi il parle. Il dit c'est bouche, on sait faire. C'est bouche. Comment on va faire pour faire bouche? C'est tout. Le vieux, c'est nous, on avait dit qu'on ne mange pas goudron. Il y a pas, c'est nous, on a parlé, c'est nous là, c'est nous, on a parlé. On ne mange pas goudron. Goudron, c'est quoi? Goudron, c'est quoi? Nous, on ne mange pas goudron. On ne mange plus goudron, regardez. Tu es obligé de rentrer à Quartier-Soleil pour sortir au commerce parce que tous devant Solibra, n'y avait. Tout est gâté. C'est pas aujourd'hui, depuis, j'ai dit 2002. Je sais pas, Gagnon a fait quoi? Le vieux papa Ado, c'est pour te demander pardon. Moi, c'est pardon, je peux demander. C'est toi, on sait, tout le monde sait. On n'a qu'à parler, même si tu n'aimes pas le lièvre, au moins reconnais qu'il coupe bien. Le vieux, c'est toi le bosseur. Pire, il a dit ça. Il y a ça qui vont me tacler, ils vont me frapper dans mon village, mais ils vont m'interdire. Mais je dis, c'est toi qui as fini à faire goudron. Le vieux, c'est toi qui crée vrai développement là, c'est toi. Le vieux, c'est pardon, moi, il peut te demander. C'est à genoux pour Gagnon. C'est pour Goudron. Le jour où tu vas vouloir partir là, tu ne vas pas partir à Goudron là. Ça va rester pour Gagnon. Je répète encore, il dit, bête, il est en bas, tu le frappes. Et puis il dit, tu ne me moins pas. C'est bouche, on a fait, c'est nous là. C'est nous, on a fait bouche, qu'on ne mange pas à Goudron. Voilà pourquoi Gagnon est resté jusqu'à présent. Il y a pas. C'est pardon, moi, il peut te demander. Parce que si tu n'es pas là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait Goudron. C'est depuis 2002, c'est gâté. Depuis 2002, devant clinique, quand il est parti en 6 ans, tout est gâté. Rien. Et c'est toi qui peux faire goudron. Le vieux, c'est pas. Les gens disent que hein, c'est l'État. Pourquoi toi, tu as besoin de demander pardon à quelqu'un qui va faire son devoir? Gagnon, il n'y a pas eu quelque chose. Il n'y a pas eu quelque chose à Gagnon. La jeunesse aujourd'hui, c'est des vendeurs de drogue. Si on ne vend pas de drogue, on ne peut pas les jeunes. Rien parce qu'il n'y a pas de travail, aucune entreprise. Oui, c'est moi qui dis ça. Papa, toi, c'est pardon, je suis à Gémi. C'est pardon, il peut te demander. Si tu peux faire quelque chose pour notre Gagnon, pour que la jeunesse de Gagnon s'en sorte, pour que la jeunesse Gagnon. Quand le goudron est fait, les magasins peuvent être construits au port. On peut faire des maquis. Chacun peut faire son salon de coiffure. Les jeunes peuvent faire leurs petites choses pour qu'on puisse laisser. Le vieux, je sais que c'est toi qui fais goudron. Je sais que goudron, là, tu es fort dedans. Le vieux, je sais que tu connais. Pardon, viens, Gagnon, viens fermer bouche des gens, le vieux. Viens fermer bouche des bêtes qui ont bouche là. Et puis Gagnon, fais pitié. Tu rentres à Gagnon, ça fait mal. Voyez ça comme vous voulez. Maintenant, tout là, Gagnon, les nègres, et pour Gagnon, il n'y a pas de Gagnon, non. Et pour Gagnon, il n'y a pas de problème. Tout est d'autres, mais il n'y a pas de problème. Le vieux, c'est pardon. Didi, le gruyère te demande. C'est pardon, le vieux, viens, c'est à Gagnon. On rentre à Gagnon, va voir un poulet, va rentrer à Gagnon. Autoroute pour rentrer, on dit ouais, à la rentrée des Gagnon. Voilà ça. Mais Gagnon ressemble à campement. Gagnon ressemble à campement. Toutes les maisons sont rouges. Tellement il n'y a pas goudron. Merci par ricochet au père Diabaté Issouf, le maire député de Gagnon, qui au moins à Pont-Weli, qui nous a fait un goudron. Bien sûr, nouveau goudron. Ben voilà encore goudron. Le vieux, merci encore à toi. Père Issouf Diabaté, papa Ado, c'est pardon, Didi le goudron, petit du monde. On te demande pardon. Faut pas regarder notre bouche là. C'est bouche, on a pour rien. C'est comme pour lui, on finit de l'égorger. Puis, oh, il va mourir. Le vieux, faut venir, tu as fait. C'est pardon, je peux te demander. Sinon, vraiment, il y a pardon. Le vieux, c'est pardon, il peut te demander. C'est pardon. Faut sciencer. On dit pourquoi il te demande pardon. C'est l'État, mais il n'a pas pris bouche de maman de quelqu'un pour demander pardon. Ce sont mes genoux qui me font mal à l'air. C'est mes genoux, il est prêt pour demander pardon au papa Ado. Viens faire Gagnon. Est-ce que tu as besoin de demander pardon? C'est pas bouche devant maman, il a pris. Il a pris moi-même ma bouche pour demander pardon à l'État. Pour sciencer pour Gagnon. C'est toi qui tiens le couloir de Boulogne. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que le Guigui le Grouet a dit.
Moi-même, j'ai honte. J'ai honte. Je vous dis toujours. Mon père est des BT de Darwa. Mais BT, c'est BT. L'Ouest, c'est l'Ouest. Quand tu vois ton voisin, il y a feu là-bas, il faut pleurer. Tu vas aller l'aider à éteindre le feu. Dis Darwa, dis aussi BT de Issia et BT de Saïwa, BT de Jiberwa, BT de Darwa. On se connaît entre nous-mêmes. On a mal. Moi, je vous dis, quand on dit la fierté, je vois des gens, des vidomans qui disent qu'ils sont bêtés, ils sont de l'Ouest. Et puis quand ils parlent avec les fiertés, ils mettent les fiertés devant, je ne vois pas les fiertés. Eh, il faut être bêté avant de comprendre. Avant de comprendre que ceux qui sont ici, les réseaux sociaux ont dit, moi je suis fier, je suis un bêté. Eh, le gars entré est effrayé, sinon il n'y a rien dans son cœur. Il n'y a rien, sa fierté là, c'est poubelle. Bêté là, sa fierté là, c'est poubelle là. Si Bété était fier, si Bété était fier, ou Bété était au pouvoir, là, il a fait quoi pour vous? Il a fait quoi pour vous? Demandez pardon. Demandez pardon. Ah, président, on te demande pardon. Même si nos grands-parents, si nos parents ont honte de te demander pardon, nous, on est sur les réseaux sociaux, nous, on te demande pardon. Nous, on te demande pardon. On sait que Bété, tu peux lui donner le coup. Tu dis, tu es en train de tuer même. Il sait que tu es en train de tuer. Mais tu vas lui demander. Il va te dire non. Ce que tu es en train de faire là, moi, mon tour va arriver. Bété, c'est ça. C'est ça qui est dans sa bouche. Tu es en train de frapper. Et puis il te dit, tu es en train de faire non. Demain, moi, mon tour va arriver. Lui, il attend toujours son tour. Regardez très bien ce qu'il vous dit là. Vous allez, je vais vous expliquer quelque chose. Regardez, quand Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui disent, oh, Macky retour. Voilà, le retour là. Gbagbo. Les gars de l'Ouest, là, c'est eux, les retours seulement. Retour, là, tu fouilles, là, il n'y a rien dedans. Où tu l'as frappé le premier jour, là, c'est fini comme ça. Son où tu vas se retenir son retour, là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vous demande pardon. Vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, je vous demande pardon. Bété de Gagnois, vous aussi, là, faites les vidéos, vous allez demander pardon. Vous-même, là, le gars, tu fais, regardez la route d'abord. Regardez la route, même, tu fais peur. Regardez la route là-même. André, ce n'est pas une grande ville. André, quelqu'un, tu es dans Bafon. André, quelqu'un, tu es dans village. Reculé d'une ville. Regardez ça. Une grande ville. Gagnois, quand on dit Gagnois. Gagnois, regardez la terre rouge. Mais c'est une honte. C'est une honte totale. Vos fiertés, vos dignités. Vos orgueils que vous mettez devant là, où ça y est? Je vais interpeller une dame. Je vais interpeller une dame. Maman Rachel Crasso, tu as pris balle perdue. Maman Rachel Crasso. Et je vais interpeller aussi un monsieur. Lui, le cyber mange mine. Cyber qui pense à son ventre. Monsieur Dakouri Kwa Patrick Zasso, tu es où? Vous êtes où? Les deux personnes que je connais d'abord, vous êtes où? Vous qui êtes au RHDP, vous qui faisiez des éloges du RHDP, vous êtes où? Vous ne parlez pas de cette histoire, de dire, ah franchement, prisonne avec toi, mais quand même, il faut regarder à Gagnois. Vous n'êtes pas prêt pour faire ça. Un jeune qui allait se battre, qui est au pays, qui est en train de faire des réalisations là-bas, avec l'argent. Il a créé son business. C'est lui encore qui se lève, il vient sur les réseaux sociaux, malgré les coups qu'il reçoit matin, midi, soir. Mais lui, il vient parler. Il pleure, il s'engenouille devant vous. Mais vous, les activistes de l'Ouest, des Gagnois, là, vous faites quoi? Vous, venez me dire, vous faites quoi? Envoyez cette vidéo-là à Rachel Crasso et envoyez cette vidéo-là à Patrick Zasso. D'abord, et bien avant, les cyberactivistes BT que vous connaissez, des Dalois ou des Gagnois, envoyez-leur cette vidéo-là. Mais pourquoi vous faites ça? Vous êtes là en train de dire, oui, je vais faire des éloges de telle personne, il va me donner l'argent, tu vas prendre cet argent-là, tu vas mettre ça dans ta poche, et puis c'est fini. Mais toi-même, tu ne penses pas à ton peuple.
regarder des cyber nordistes, regarder des cyber de autres choses, de autres villes. Regardez très bien quand ils font les vidéos là. Ils interpellent le président, ils interpellent le ministre, ils interpellent les cadres. Vous dites, regardez nos voix, regardez nos situations de vie. Mais vous les bêtés, vous les gars de l'Ouest, Nangouza, toi tu es où? Tu es de l'Ouest, hein? Goudron passe là. Goudron passe là et puis ça sent chez vous. Goudron passe là, Nangouza, tu es où? Vous ne faites pas ça. Vous, c'est qui vous parlez? Oui, on va faire casser. Oui, on va venir répondre. On va faire ceci. Vous êtes où? Vous ne parlez pas de cette situation-là. Je ne suis pas là pour dire non que oui. Les nordistes, non, je dis clairement ce qui est bon, ce qui est vrai. Regardez tous les nordistes, la plupart des gens qui font des vidéos. Regardez, eux sont là pour viser le cadre. Les cadres de la région, pour dire, hey, vous là, on sait que vous travaillez, mais travaillez chez nous d'abord. Où vous êtes encore là, travaillez. Ces cyberactivistes, vous qui défendez Ouattara, vous qui défendez le RADP, pourquoi vous, qui êtes de l'Ouest, pourquoi vous ne parlez pas de vos misères que vos parents sont dedans là? Mais si vos parents ne sont pas reconnaissants, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui connaissez que papa a du travail et on est fier de son boulot là, vous-même là, vous pouvez lui demander pardon. Et ça, vous pouvez vous adresser à papa Ado, à le gouvernement pour dire ayez pitié de nous. Ayez pitié de nos parents. Faut pas vous allez si vous regardez bouche de nos parents là, vous ne pouvez pas faire quelque chose pour eux, mais ayez pitié de nous. Nous vous demandons pardon, venez travailler. Vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça. Quand vous arrivez à Abidjan pour aller dans votre chez vous, vous prenez une voiture 4x4 là-bas, vous mettez tout, il y a clim dedans, poussière, mais vous frappez là, ça ne vous regarde pas, vous partez chez vous, vous vous retournez et puis vous venez faire. Mais réfléchissez un peu quand même. Rachel Krasso, Nangouza, Patrick Zasso, j'en passe. Moi, j'ai fait cette vidéo pour vous. Cette vidéo-là, c'est dédiée à vous. Vous qui suivez le RHDP. Je n'aime pas dire pourquoi vous suivez, mais je vous dis toujours, vous qui suivez le RADP, vous qui parlez de bien du RADP, pourquoi vous ne parlez pas de ces situations qui se passent là-bas? Vous venez en Côte d'Ivoire, vous voyez la réalité qui se passe. Ayez pitié. Ayez pitié de vos parents. Moi, j'ai dit, nos parents nous ont blagué pour dire Gbagbo est le meilleur, Gbagbo va faire ça, Gbagbo va faire ceci, Gbagbo est venu 10 ans, Gbagbo n'a rien fait. C'est maintenant nous comme ça, on s'est rendu compte que Gbagbo nous a, il s'est foutu de nos parents. Et on est en train de voir que oui, celui-même qu'ils ont torpillé, celui-même qu'ils ont dénigré, celui-même qu'on dit il est étranger, aujourd'hui il est en train d'arranger la Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas soutenir ce gars-là? Le développement, moi je préfère le développement, mais on parle toujours de développement. On est fiers, on montre les bonnes choses, mais nous-mêmes chez nous, c'est vilain. On peut faire ça. On peut faire ça. Rachel Krasso, maman, est-ce qu'on peut faire ça? Patrick Zasso, tonton, papa, est-ce qu'on peut faire ça? Maman Nangouza, est-ce qu'on peut faire ça? B52, mon frère. Tu es gourou. Gourou, là, on ne saute pas. Tu sais, soit on passe par Daloa ou soit on passe par Gagnoua. Toi, tu dis quoi? Mon frère, toi, tu dis quoi? Vous qui supportez Alassane, nous qui supportons Alassane par son développement, parce que moi-même j'en fais partie. On dit quoi pour Papa Ado? Guigui le Grueur, lui, il a passé un message avec les preuves, avec les vidéos. C'est à nous de le soutenir. C'est à nous de le soutenir. On peut le soutenir en dénigrant nos. Pour dire des vérités à nos grands-parents qui sont là-bas. Mais à ce temps, conclusion, on parle à Papa Ado. Franchement, hein, nos jeunes frères, fait au moins s'il a fait, ça n'a pas de vérité. Nous-mêmes, on vient appuyer, pardon, il faut avoir pitié de nous. Il faut avoir pitié de nous, va, tu vas faire quelque chose, pardon. Tu vas fermer les bouches. À travers, si Papa Ado même s'en va travailler là-bas, là, vous allez voir. Des gens, vous avez vu, à Zopé, j'ai fait une vidéo d'Azopé. Les Atis ont tourné le dos à Gbagbo. Parce qu'ils étaient 100% Gbagbo quand Gbagbo était au pouvoir.
Même Babou les a blagués. Babou n'a rien foutu chez eux. Eux-mêmes refusent que Babou arrive chez eux. Eux-mêmes refusent, les Atimés refusent que Babou arrive chez eux. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Aujourd'hui, si on demande pardon, toujours pardon à Papa Ado, il décide d'aller travailler, le gouvernement décide d'aller travailler là-bas. Vous allez voir. Il dit les BT que moi je connais, d'autres me vont dire, mais ce gars qu'on a, BT, on est là. Vous nous voyez, vous pensez que oui, on a. Non, non, non. Nos fiertés là, oui, on fait ça, on fait les bêtises. Chacun est fier. Même Djoula, quand on dit Djoula, eux, ils sont fiers aussi. Tout le monde est fier. Tout le monde connaît sa dignité. Tout le monde connaît sa fierté. Moi, je vous dis, si Papa Ado, le gouvernement, allait travailler à Gagnoua, à l'ouest là-bas, devant Dieu, devant la terre, Bété là, il est comme ça. Il est dans son coin. Il a faim. Par exemple, il a faim comme ça. Il est là. Il te dit, tu es en train de manger. Il est là. Tu es en train de manger. Lui, tu dis, viens, mon frère, viens manger. Il te dit, hum. Lui, mais il te dit, hum. Mais dans son cas, il dit, il faut l'inviter deuxième encore. Tu l'as invité deuxième, il dit, ah, c'est toi-même, c'est toi, tu as voulu. Ah. S'il finit de manger, là, il dit, c'est lui, tu vas parler. Il y a des choses, mais il va te dire même là. Toi, mais tu vas dire, oui. C'est comme ça, BTR. Il faut le blaguer dans ça. Ce qu'il veut, là, il faut lui donner. Si tu lui donnes, là, c'est fini. Toi-même, lui, mais il va te charger. Ton palabre, là, il va charger ça. Pardon, je te demande pardon. Il y a qui? Yaya. Gouberi Pamba. Je te demande pardon, papa. Il faut aller voir, faut jeter un coup d'œil à l'Ouest. On sait. La Côte d'Ivoire, c'est toi qui gères la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas divisée en deux. Tout territoire de Côte d'Ivoire, c'est toi qui gères, papa. Pardon. Actuellement, où tu es là, tu es en train de travailler. On ne va pas dire non que oui. Ado est là, regardez, il est en train de travailler chez d'autres côtés, lui ne travaille pas chez nous. Papa Ado, nous on te demande pardon. Gagne-moi, tu es là, c'est chez toi aussi. Gagne-moi, tu es là, chez tes parents aussi. Papa Ado, nous on te demande pardon. Nos grands-parents, nos parents qui sont à Gagne-moi, là, les bouches dures, André Os, les bouches dures, André Voleur, il ne faut pas écouter ça là. Nous on te demande pardon. Nous on est là. Nous qui sommes les petits-enfants, on est là pour te demander pardon. Il faut avoir pitié de nous. Mais si tu n'as pas pitié de eux, il faut avoir nous. Nous qui sommes les petits-enfants, nous on te demande pardon. Il faut venir travailler. Même s'ils veulent, ils n'ont qu'à prendre la partie où nous on a dit des trucs et ils vont nous insulter. Ils n'ont qu'à prendre. Un jus, là, c'est comme pommade chez nous. Mais nous on te demande pardon, papa. Il faut mettre un peu d'eau dans ton verre. Un peu d'eau dans ton verre, tu vas nous donner, on va boire. Parce qu'on On souffre. Même l'eau potable, même, c'est un problème là-bas aussi. Il y a un côté même là, c'est un problème. Il dit, j'ai d'autres parents qui sont là-bas. Ils sont allés rester à Gagnoua. Je connais cette situation qui se passe là-bas. Papa Ado, on te demande pardon. On a eu l'occasion pour s'exprimer. Parce que nous, on dit, moi, je dis toujours, quand il n'y a pas les preuves, je ne parle pas. C'est pour cela, Papa Ado, on dit ça. On est là, si les réseaux sociaux, on se moque des pays, des gens, on dit oui, telle ville, oui, on dit oui, regardez Terre Rouge. Nous-mêmes, regardez à Gagnoua. En dehors, on est au Cameroun, en dehors, on est à Yaoundé. Ça, là, ça fait pitié. Quand il y a la vérité, il faut le dire et puis on va avancer. C'est ça qui est là. Tellement qu'on est ignorant, voici ça, voici le problème. Tellement on est fanatique, j'aime tel truc, voici le truc qui est là. Papa Ado, toi-même, on a toujours montré. Les militants de Ado, les partisans de Papa Ado, nous, on vous demande pardon. Nous, on vous demande pardon. On est venu vous demander pardon. On est venu demander pardon à vos papas. On est venu demander pardon à nos papas, nous tous. Pardonnez. C'est vos papas. Nous, il nous a élevés. Nous, on est à côté. Si on lui demande pardon, aidez-nous à lui demander pardon. Il va arranger chez nous. Si vous voyez la bouche de nos parents, là, ne regardez pas. Écoutez-nous, on vous demande pardon. C'est Dieu qui a fait que non. Guigui le Grouillard a fait une vidéo, deuxième encore, qu'on pleure. Et pour que nous tous, on puisse pleurer, il puisse avoir pitié de nous. On te demande pardon. Pardon que je dis, dans ma vidéo, je suis là pour demander pardon. Les mots me manquent. Pardon. Si on veut écouter, je vous dis toujours dans la vie, si tu es ivoirien, tu veux évoluer. Je vous dis toujours, je répète, faut te frotter
à un nordiste. Faut te frotter à un baoulé. Mais baoulé, il y a les baoulés que je ne vais pas citer leur nom. Parce que s'ils citent leur nom, ils vont dire, oh, sinon eux mieux se connaissent entre eux. Moi-même, on se connaît entre nous-mêmes. Voilà. Je vous dis toujours, mon côté, maman, il y a baoulé dedans. Et à côté maman aussi, il y a l'autre intini dedans. On se connaît à tout. Donc quand on fait ici comme ça, on est dedans. Seulement c'est papa, lui il est sorti garçon. Lui il est sorti garçon bété là, de Daloa là. C'est là-bas j'ai grandi. Oh. Sinon de l'autre côté, il m'en veut faire la navette et puis il vient. Donc excusez-moi, je vous demande pardon. Demandez pardon à papa Ado et on va avancer. C'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Actuellement nous tous on voit le développement que papa Ado est en train de faire. Si ce qu'il est en train de faire, le juge quitte le pouvoir, il ne va pas partir ça. Il ne va pas partir ça. Donc, on vous demande pardon. On vous demande pardon de contacter vos papas, qui est nous tous nos papas, pour qu'ils puissent travailler à l'ouest là-bas. Maman Nangouza. Maman Nangouza. Maman Nangouza. Maman Nangouza. Tu es guéri. Tu es OB, tu es guéri. B69, tu es gourou. Tu es gourou. Chose, comment dirais-je? Rachel Krasso, maman Rachel Krasso. Tu dis tu es bété. De Gagnoua ou Sayoua. Tu es bété. Voici Zasso. Toi, depuis qu'on dit la tête même de RHDP, c'est toi-même. Tu es dû. Ceux que j'ai cités tout à l'heure, là, eux sont venus récemment. Eux sont venus récemment. Toi, mais tu es le. Il peut dire que tu es le dû dedans là. Mais toi, tu n'as jamais fait une vidéo pour dire où toi tu vas faire l'interpellation pour qu'on puisse arranger là-bas. Toi, tu penses qu'à ton ventre. Il faut laisser l'histoire de ventre. Si toi tu te lèves et tu fais des démarches et tu demandes pardon, comme nous, dans moi, on demande pardon. Et on arrange là-bas. Là. Nous, on te demande. Le jour tu t'en là-bas, il dit, c'est le chef du village ou les chefs carton qui vont venir. Ils vont te dire, voici, Zasso est venu. C'est grâce à lui que ça est venu. Toi aussi, ton nom va pousser. Mais toi, tu ne fais pas ça. Toi, tu préfères dénigrer les cadres qui sont au RADP, les temps. Et tu dis, tu as la liste. La liste que tu as là, pourquoi tu ne prends pas cette liste-là pour dire non, que voici la liste de l'Ouest qui ne va pas là-bas. Toi, si c'est pour dénigrer les cadres, tu es premier, tu dis, tu as la liste. Voici, gagne-moi. Voici, gagne-moi, tu as un pied cassé. Tu dis quoi? Vous êtes les plaisantés sur les réseaux sociaux pour dire non que oui, vous avez fait des vidéos. Vous avez un bras cassé. C'est vous êtes là, on a des papos, on a fait ci, on a ceci. Voici, gagne-moi. Quand vous quittez en Europe, vous préférez rester à Abidjan. Vous avez honte d'arriver chez vous parce que là-bas, il y a poussière. Là-bas, il y a misère de routes. C'est cette misère-là, on veut que Papa Ado n'a qu'à arranger. Il faut avoir vraiment pitié. Papa Ado, on te demande pardon. Nous, on te demande pardon matin, midi, soir. Mes chers frères, mes chers parents, ceux qui connaissent le numéro de Papa Ado et ceux qui m'écoutent, on vous demande pardon. À l'ouest, là, partez arranger là-bas. Partez arranger. Si vous finissez d'arranger, vous allez voir. Vous allez voir. Si on dit telle élection, là, les bétés vont dire c'est lui. Nous, les bétés, nous, on est comme ça. Les bétés te disent c'est lui qui a arrangé chez moi, c'est lui qui vote. Hein. C'est lui, moi, je suis. Moi, je ne suis pas dans. C'est comme ça, bété est. Hein. Donc, vous-même, partez arranger. Vous allez voir. Vous-même, vous allez apprécier que ce que nous, on vous dit là. On connaît nos frères, on connaît nos parents. On connaît nos frères, on connaît nos parents. C'est comme ça. La famille, j'aimerais vous laisser. Vraiment, j'ai honte de toute ma vie. Voir des bêtises qui sont fiers, qui tapent les poitrines. Ouais. Regardez chez vous. Babo même que vous supportez. Babo Gagnoua, même marché de Gagnoua et de maman. Marché mais de maman. Gagnoua, maman, bété de Gagnoua. On dit bété de Gagnoua. Babo est bété de Gagnoua. Bété de Gagnoua, maman.
tout ça là. Même dans son propre village, maman même. Le président qui ont dit le président de la République, il n'a même pas fait marcher en tôle. Il n'a même pas fait marcher en tôle. On a montré la vidéo ici. Mais cette personne-là, vous voulez qu'il n'a qu'à venir au pouvoir encore pour faire quoi? Pour faire quoi? Oh, nous, on est fatigué de danser. Nous, là, nous, rien bloqué, on ne veut plus danser. On ne veut plus être sous là. On vous demande pardon. On veut le développement pour avancer. Papa, Laurent Gbagbo, Pépé, Blé Goudé, moi, je te demande pardon. Toi-même, tu as vu et tu continues de voir. Toi aussi, il faut faire une lettre, tu vas déposer, on va, ils vont sciencer. Ils vont sciencer. Ne vous jouez pas au dur, on connaît déjà. On connaît vos vrotos, on connaît vos vumba et on connaît vos jozos. Arrêtez ça. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao.